un hôtel à Marseille. Mélanie Léger travaille ici avec sa collègue Marie-Noël Le Talec. Elles sont réceptionnistes. Au revoir. Bonne journée, à demain. Une grande partie de leur travail est de répondre aux questions des clients, comme les clés de la 38, s'il vous plaît. Voilà. Merci, je vous en prie. À part les clés, que demandent les clients ? Est-ce qu'il y a un ascenseur dans votre hôtel ? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Vous montez les trois marches, il est juste en haut à votre gauche. Elle fait monter les trois marches. Oh, voilà, tout à fait. Alors, Mélanie ? Alors, souvent les clients nous demandent s'il y a un parking à disposition à l'hôtel. Et donc, nous, on les dirige vers le parking le plus proche pour lequel on a des accords. Est-ce qu'il y a un parking ? Oui, vous sortez juste à votre droite, oui. Un peu plus loin, après c'est indiqué. Les questions plus compliquées commencent souvent par « Est-ce qu'il serait possible ? Est-ce que vous pourriez ?» « Est-ce que vous pourriez nous recommander un restaurant pour ce soir ? » ?»« Est-ce qu'il serait possible d'avoir une serviette supplémentaire dans la chambre ?»« S'il vous plaît, pourriez-vous nous garder nos bagages jusqu'à ce soir ?» Il n'y a pas de problème. Vous êtes très aimable. Comment poser la question s'il me manque un oreiller dans ma chambre ? Alors, s'il vous plaît, serait-il possible de nous apporter un oreiller supplémentaire dans la chambre ? Est-ce qu'il y a aussi des formules de politesse ? Comment on remercie en français ? Les formules magiques. merci pour votre agréable sourire. Et on reviendra vous voir prochainement. Merci beaucoup, merci pour tout. Ah oui, merci pour tout. Oui. Voilà. Merci mille fois aussi. Merci mille fois aussi, ça se dit, oui. Alors, notre séjour s'est très bien passé, nous étions très contents. C'était un agréable séjour. Oui, on nous dit aussi que c'était super. On a passé un agréable séjour. Formidable. Formidable, je n'avais pas vu ça.